Alors, aujourd'hui, on va apprendre deux choses, trois choses peut-être, sur le monitoring des élections. Je suis sûr que si je pose une question dans la salle, que signifie monitoring des élections, je n'aurai forcément pas de réponse. Alors, je vous dirai une chose, c'est que le monitoring des élections, c'est deux choses. L'observation des élections d'une part et l'intervention d'autre part. Qu'est-ce qu'on entend par observation des élections ? L'observation des élections, c'est tout simplement le fait que des personnes comme vous et moi vont dans des bureaux de vote, récolter les informations, les analysent et produisent un rapport à la fin. Et l'intervention, c'est quoi? Il peut y avoir une intervention directe, il peut y avoir une intervention indirecte. La première intervention indirecte, c'est celle que vous faites quand vous observez les élections. Vous mettez des recommandations dans votre rapport d'observation pour dire qu'on a constaté ci, on a constaté ça, on n'a pas aimé ci, on n'a pas aimé ça. Et maintenant, l'intervention directe, c'est quoi? C'est l'aide que les organisations internationales, les pays amis, apportent au soutien des élections ou de l'organisation des élections dans notre pays. C'est le cas de la francophonie, le cas de l'Union européenne, le cas des organisations comme c'est NDI, National Institute of Democracy and Institute, qui est une organisation, une ONG internationale américaine. Alors, si on a défini ce qu'on entend par monitoring des élections, il faut maintenant dire quelles sont les règles qui encadrent le monitoring des élections. Il faut dire, dans le cadre de notre étude, c'est que le monitoring des élections, qui va de 1946 à 2013 pour le cas du Cameroun, et de 1946 à 2016 pour le cas du Gabon, est tout simplement que le monitoring a été inscrit dans les premières lois électorales de 1946 lorsque les indigènes ont acquis ce qu'on appelle le droit de vote, le droit de participation à la vie publique ou tout simplement le droit de participer à la vie politique après le départ du colon. Voilà en quelque sorte les règles de manière historique qui encadrent le monitoring des élections. Et aujourd'hui, le monitoring des élections est encadré par la Constitution de la République, est encadré par le code électoral, est encadré au niveau international par ce qu'on appelle la Charte africaine de la démocratie et des élections, ou dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à son article 5, 6 et 24, ou aussi dans ce qu'on appelle le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui implique les populations, demande à ce que toute personne participe à la question de la vie publique dans son pays. Lorsqu'on a défini le monitoring des élections d'une part, on a établi son cadre juridique. Il faut dire quels sont les acteurs du monitoring des élections. On a essentiellement deux types d'acteurs. Les acteurs institutionnels d'une part et les acteurs non institutionnels d'autre part. En tant qu'acteurs institutionnels, nous avons les organes de gestion des élections et les camps qui est tout juste là derrière. Avant ELECAM, on avait l'ONEL, ce qu'on appelait l'ONEL 1, l'ONEL 2, l'ONEL 3. Je vous fais fi des différentes définitions. Je vous dirai tout simplement que l'ONEL, c'était l'Observatoire national des élections. Et ELECAM, c'est Elections Cameroun, que tout le monde connaît, qui est juste là derrière. En plus de ça, il y a, dans le cas du Cameroun, c'est ça. Et dans le cas du Gabon, nous avons ce qu'on appelle la CNE, la Commission nationale électorale, et la CENAP, la Commission électorale nationale indépendante autonome, qui est les deux institutions qui gèrent les élections dans leur entièreté. Mais il n'y a pas que ces organes de gestion des élections. Il y a les administrations impliquées qui sont l'État, c'est-à-dire, dans le cas du Cameroun, c'est le MINAC, le ministère de la Défense, le ministère de la Communication, le ministère des Finances. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que les élections nécessitent un coût. Parce que s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas organiser une élection. Vous avez vu en 2003, en 2013, autant pour moi, on a dû proroger le mandat des élus locaux parce qu'il n'y avait pas un problème d'argent. Alors, si on a ces deux acteurs, on a maintenant des acteurs nouveaux qui entrent dans la question du monitoring des élections. On a les organisations internationales,
Je vous ai cité tantôt l'OIF, l'Union européenne, pour ne citer que cela. Et dans le cadre africain, nous avons l'Union africaine, partie de l'OUA, de l'OUA en 1963 à l'UA en 2000. Et maintenant, il y a les acteurs privés. Ces acteurs, ce sont les partis politiques qui sont les acteurs premiers des élections. Il y a la société civile qui surveille de par la participation citoyenne des citoyens à observer les élections, à la gestion de la vie publique. Les organisations à cette ville interviennent dans le monitoring des élections. Et maintenant, si on a fini avec la définition, le cadre juridique, les acteurs, il faut dire à quoi ça sert le monitoring des élections 50 ans après que nos États ont acquis l'indépendance. Et c'est ça la véritable question à laquelle j'ai envie de trouver solution. Parce que pour ma part, je pense qu'on n'a pas besoin d'une récolonisation de l'Afrique, parce que le monitoring des élections ne sert pas les élections, ne sert pas les Africains, il sert à repositionnement des grandes puissances à travers des grandes ONG telles que India. Nous avons vu, bon, peut-être beaucoup de personnes n'étaient pas encore nées, le scandale qu'il a fallu avoir au Cameroun en 1992 à la première élection du fait du rapport d'une organisation internationale, NDI. Et nous avons vu dernièrement au Gabon ce qui s'est passé. Alors, je conclurai en disant ceci. Si on peut définir l'élection comme le mode d'évolution du pouvoir, si l'élection est un principe de la démocratie, et si la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, alors je dis une voix, deux voix, trois voix, nos voix comptent. Je vous remercie.